Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Je suis présentement en forêt, c'est magnifique. Dans le fond, je n'ai pas été super présent dans les réseaux sociaux depuis le temps des fêtes. Je suis de retour de l'Équateur. Si vous me suivez, vous avez vu sûrement mon aventure dans ce merveilleux pays. Et j'avais besoin pendant le temps des fêtes d'intégrer un peu tout ce que j'ai vécu. Oui, j'ai fait des randonnées inoubliables, j'ai vu des volcans exceptionnels, j'ai vu des décors, j'ai rencontré des gens vraiment merveilleux. Mais aussi, il y a eu une transformation qui s'est faite en moi, puis j'avais besoin justement de me ressourcer, puis prendre du temps pour moi. Ce que j'ai fait dans le temps des fêtes, alors c'est pour ça que vous m'avez moins vu et que j'ai pas eu le temps de vous souhaiter une bonne année 2024. Et c'est justement ce vidéo-là que je veux refaire pour pouvoir vous souhaiter justement une belle année. J'aimerais vous souhaiter trois choses pour 2024. Premièrement, la vérité. Je souhaite que vous trouviez votre vérité, que vous soyez cette vérité et que vous l'incarnez au quotidien dans toutes les sphères de votre vie. C'est super important. Deuxièmement, je vous souhaite la paix. Ça, c'est pas la paix comme dans la paix dans le monde. Oui, je vous la souhaite celle-là aussi. Mais c'est beaucoup plus une paix. On vit des choses riches en expériences, okay? Un petit peu plus triste, un petit peu plus négatif. Oui, c'est important de le vivre, mais il faut revenir à notre équilibre rapidement. Que moi, j'appelle l'équilibre, j'appelle ça la paix. Des fois, on vit des choses extraordinaires aussi, des choses vraiment positives. Fait qu'il faut le vivre, mais il faut revenir dans cet équilibre-là qui est la paix. Alors, je vous souhaite cette paix-là. C'est vraiment là, la place, c'est vraiment... Je vais appeler ça la place parfaite. C'est là qu'on est bien, c'est là qu'on est heureux, c'est là que c'est simple, c'est léger. Fait que je vous souhaite la paix. Et dernièrement, c'est l'amour. Oui, l'amour inconditionnel, l'amour qui est entre individus, mais c'est beaucoup plus que ça. Je vous souhaite d'avoir des pensées d'amour. Arrêtez d'avoir des pensées négatives, des sentiments négatifs à l'intérieur de vous. Ayez des pensées d'amour, des sentiments d'amour à l'intérieur de vous. Alors, je vous souhaite cet amour-là, puis je vous souhaite que vous incarnez justement cet amour-là dans toutes les facettes de votre vie. Alors, je vous souhaite de la vérité, de la paix et de l'amour pour 2024. Et si tout cela se manifeste dans votre existence, je suis convaincu que vous allez avoir une année extraordinaire. Alors, bonne année 2024. Suivez-moi, vous allez voir, il va se passer des choses extraordinaires pour moi et j'espère que vous allez en profiter. Alors, bonne journée. Au revoir.